OK, mardi 20 juin 2023. Oh là là, j'ai joué beaucoup de matchs NHL, m'en viens pas mal tanné, mais au moins j'ai atteint mon objectif. Je m'en vais ouvrir mon troisième pack choix de joueurs d'événements Millennium. On se croise les doigts, c'est la dernière fois qu'on en a un. Faut qu'il soit bon encore. On a été chanceux malgré tout dans notre pack avec les joueurs de la semaine 1. On a eu le plus gros OV disponible, 96 d'OV, mais c'était Henrik Lundqvist. Lors de notre deuxième pack de choix joueurs-événements, on a eu encore un goaler, Marty Turcotte. Là, j'aimerais ça, s'il vous plaît, Saku Koivu, mais je pourrais prendre Scott Gomez comme prix de consolation. Fait qu'on y va, c'est notre toute dernière chance. S'il vous plaît, donne-moi un ancien des Canadiens. Come on! Donne-moi Saku! Ah ouais, Saku, viens-t'en, Saku! Oui! Oh oui! On l'a eu! On l'a eu! Saku Koivu! Ah, puis Lehtinen. Hey, ben, on a le pire OV encore une fois. On l'avait dans notre pack choix il y a quelques jours avec Marty Turcotte. Et on a le plus gros OV disponible. Koivu qui est à égalité avec Keith Tkachuk. Tkachuk est plus gros, mais on l'avait essayé sa version Team Builders. Et Saku, je n'ai pas eu de grosse carte de Saku depuis, ma foi, très longtemps. 5 pieds 10, on le sait, mais tu sais, de la gauche. Et c'est des grosses stats offensives. 94 de mise en échec à 5 pieds 10, 82 kilos. Je suis pas trop sûr que ça va donner, mais 97 de face-off, puis tant qu'à avoir une ligne de centre en bas de 6 pieds, ben ça sera le thème de l'Ananas Express cette année, coudon. Oh, wow, je suis vraiment content. C'est la carte que je désirais le plus. Objectif atteint. Et c'est bon signe, même si on est en fin de jeu et que c'est l'été pratiquement dès cette semaine, ben il y a juste deux cartes sur PS5 de disponibles aux enchères. Une Saku Koivu de 449 000, l'autre est plus raisonnable, mais quand même 259 000. Donc notre carte, elle vaut cher. Ah, oh, qu'on l'aurait aimé dans une équipe thématique des Canadiens, mais il est trop tard.